Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sana et Lina. Alors, aujourd'hui nous allons jouer à Uno Attack. Voilà, nous allons jouer à Uno Attack. Nous allons vous présenter ce jeu de société. Alors, Uno Attack est un jeu de société qui est bien. Moi, je l'adore. Alors, on va vous présenter un peu la règle du jeu. Alors, déjà, on a 7 cartes chacun. Imagine que tu as 7 cartes. Imagine que j'ai 7 cartes. On met une carte au milieu. Alors, on ne doit pas montrer à l'adversaire les cartes. On montrera bien sûr à la caméra nos cartes. Par contre, là, je peux montrer à ça, là. Bah oui, parce que là, c'est juste exprès. Voilà. Alors, par exemple, ici, il y a l'étiquette du 5. Soit je peux prendre la couleur bleue. Je peux la mettre dessus. Et ensuite, je peux encore prendre un 8 ou un bleu. Ou soit, je peux prendre un 5 ou un bleu. Mais par contre, voilà. Et ici, on a la carte du joker. Si vous n'avez vraiment pas de bleu ni de rien du tout, vous allez mettre celle-là. L'adversaire devra piocher. Ça, c'est la pioche. Hein. Deux fois ici, vous allez voir, c'est la surprise. Deux fois ici. Non, quatre fois du coup. Quatre fois. Oui, quatre fois. Quatre fois ici. Et on m'a... Et le joueur qui n'a pas bien... Heureusement que c'est pas 5 fois. Et du coup, on devra dire la couleur qu'on veut. Imaginez, je choisis la couleur bleue et Lina, tu pioches 4 fois. 1, 2, 3, 4, voilà. Et c'est celui qui aura la plus de cartes. Je vais vous expliquer. Celui-là, c'est le sens interdit. Il y a ça de la couleur bleue, jaune, vert et rouge. Sens interdit. Là, comme je vous ai expliqué, on pioche 4 fois. L'adversaire va piocher 4 fois. Et on choisit la couleur. Ça, bon, il y a de toutes les couleurs à part, bien sûr celle-là. Ça, c'est où on va changer le tour. Donc, par exemple, si c'était moi qui a joué, et bien, ça sera encore à moi de jouer. Ça sera plus pas Lina, on change de sens. Voilà, il y a les cartes de 1, 2, 3, 4, c'est la règle du... Et là, tu dois piocher ton adversaire va piocher deux fois. Là, voilà. Ça c'est pareil, et ton adversaire va piocher deux fois et tu choisis la couleur, c'est comme celle-là, sauf que là tu pioches. Et par exemple, en fait, s'il y a un 3, un 3 en vert et que celui-là il est jaune, donc on peut quand même vert mettre parce qu'il y a un 3 et puis il y a un 3. Oui, et on peut mettre autrement la couleur jaune et la couleur jaune. Oui, sinon la couleur voilà, bleue. Je pense que j'ai tout dit. Et celui-là, si on change de paquet. Ouais. Voilà, alors si vous n'avez pas bien compris, vous allez super bien comprendre au jeu. J'explique, okay, voilà. Alors, attends, Lina, tu m'aides à prendre toutes les cartes, s'il te plaît. Alors, on met juste ça. C'est bon. Alors attends, Lina. Alors on doit pas se montrer les cartes. Et par contre on vous montrera quand même à la caméra les cartes qu'on a sans montrer à notre adversaire. Du coup, je mélange. Il y a des piles bien sûr à mettre. Dans le boîtier, d'accord. Dans le boîtier qui est juste en dessous. Voilà. Alors, 7 cartes chacun. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien sûr, il ne faudra pas montrer à l'adversaire. On ne peut pas. Et 1, on ne peut pas, on ne peut pas. Alors, il y a des cartes qu'on ne peut pas mettre au milieu. Tu montres aux amis, c'était quoi comme carte? Voilà, j'ai le rouge. Ah oui. Alors, Lina. Je vais dire. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous mettre sur les cils.
qui vont entrer. Voilà. Moi, je vous rappelle que c'est ça. C'est bon, Lina. Bon, ben, alors, comme on vous a dit, on met les piles juste ici et on va appuyer juste ici. Et pour voir s'il allume ou pas, ça fait ce bruit. Alors, du coup, on va faire un chiffouni pour voir qui commence. Chiffouni. Allez, bah, tu commences. Oui, alors, je vais quand même. Et voici la et carte. Du jaune. Et changer de paquet. Oh là là. Et voici la carte jaune. Voilà toutes mes cartes. La chance. Alors, je vais commencer. Ouais, je vais commencer. J'ai vu 5. Bien 2 jaunes. 2 jaunes. Et oh et oh. Du coup, je vais faire. Oh la vache. Ouais, j'attendrai ton pied. Voilà. Alors, Lina, tu pioches deux fois. Mais non, j'ai pas fini. Non, mais tu pioches deux fois. Non. Ah, peut-être que c'est. Voilà. C'est bon. Une autre fois. Donc, plus elle a carte, moins c'est bon. C'est à qui maintenant? Du coup, c'est à toi. Je suis pas gentille avec elle. Non, est-ce que tu avais un jaune? Bah, t'es obligée de le mettre quand même. J'avais des la concentration. Il n'y a plus de bruit dans cette maison. Mais tu peux parler. Ah, c'est bon, je peux parler, enfin. Pas trop fort. Oh, c'est bon. C'est bon? À moi. Je choisis la couleur. Trop. Alors regardez, mes deux couleurs. Il n'y a plus qu'à deux cartes. Oui. Déjà. Trop. Donc tu es presque. Partie 2, par au bout de 3. 1, 2, 3. D'accord. La couleur bleue. Merci. Le jeu des cartes. Le jeu des cartes. Alors quand on a à la fin quand on a une carte, et ben on peut dire Uno. On peut dire Uno. Mais si. Et ben. L'autre dit avant Uno contre Uno. Et ben je vais piocher deux fois. Malheureusement. C'était la fin de ce jeu. Qui se termine. Voilà. J'ai changé le paquet du bruit. Oh là là là, tu vas parler trop vite ça. Parce que pourquoi, j'ai pas fini. Explique pourquoi ça a changé. Bah en fait parce qu'elle a mis cette carte là. J'ai pas fini. Ah bah non t'es. Et cette carte là, elle veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'échange le paquet. Voilà. Donc alors regardez les cartes de Lina. J'ai presque gagné et. Regardez les cartes de Lina, mais vous allez voir, je vais pas me laisser faire. J'ai des bonnes cartes quand même. Donc Lina, tu dois t'attendre à ce que je fais. Je choisis la couleur vert et tu pioches 4 fois. Ça t'apprendra. Et non 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 tu recommences 4 fois. Une. 2, 3 et dernière, 4. Il n'y en a pas pour faire. Tu vas le voir. Non, j'ai cru qu'il y avait une carte de tomber par terre. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. Du coup, la couleur verte. Verte. J'ai choisi la couleur jaune. Donc, pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Sana? Bah en fait, elle a dit la couleur jaune. Et toi, tu... Et toi, tu en... Elle en avait pas, du coup. D'accord. J'ai pioché. Et... Finalty. À toi, Lina.
Tu montres quand même aux amis tes cartes. Après, je dois faire quoi après? Ouais, c'est mes cartes. Après, je dois faire quoi, Sana? Du coup, tu dois mettre des jaunes, la couleur jaune. Si tu en as. La couleur jaune ou un sort interdit? C'est bon. Sort interdit, bah vas-y, à toi. Non, c'est à toi. Bah parce que c'est sans interdit. Oui, vas-y. À moi. Alors en fait, je me débarrasse de toutes mes cartes. Oh non, bah, oh non. Trop tard. En plus, c'est contre nous. Et du coup, bah voilà. Du coup, maintenant... On change de sens, à moi. Oh non. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? On change de sens. Oh là là là. C'est bon. Voilà mes cartes. D'accord. Moi je vous remonte. D'accord. Voilà, alors du coup. Attends, mais ça va être. Du coup. Oh non! On a et j'ai gagné. On a dit en même temps. Non, 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 même quand on dit en même temps, c'est celui qui a dit Mono qui a gagné. J'ai gagné. J'ai gagné, c'est la fête, la fête. On a gagné, c'est la fête, la fête. J'ai gagné, c'est la fête. Dis-moi qui a gagné. Non, regardez, j'ai gagné cette carte. Du coup, dites-le nous dans les commentaires si, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, explosez le compteur D. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Ça n'a rien à qui. Et pourquoi pas s'abonner pour ne rater aucune. Et surtout, ça nous. Donnez-nous de gros. Et surtout, abonnez-vous, tchao. C'est la fête à Rounou. C'est la fête à Rounou. C'est la fête à Rounou.